à tous, c'est Damso sur Europa Universalis 4. Alors, à la fin de l'épisode, j'ai vu l'Ottoman qui a déclenché sa guerre contre le Mamelouk. Ça veut dire que l'armée du Yémen risque fortement de remonter vers le nord. Et l'armée du Yémen, en remontant vers le nord, il y a de fortes chances qu'elle me rende heureux. 5000, 5000, 7000. C'est qui a fini? C'est le petit qui a fini seulement, pas le gros. Alors, il faut que je commence par rappeler le colon. Si c'est dès que les 8000 hommes sont finis, ils vont au cap. Au passage, là, je peux mettre des nouveaux. Je pense que Vijayanagar sera intéressant et Bamani sera intéressant. J'avoue que j'ai dit ça totalement au hasard, essayez pas de comprendre pourquoi. Bon, au moins maintenant j'ai des embargos, l'insulte est bientôt terminée. L'armée du Yémen, je pense qu'on va bientôt pouvoir s'en passer. Il y a juste à surveiller ça parce que dans pas longtemps le Yémen disparaît. Et du coup j'ai 19000 hommes, j'ai 13000 de réserve, donc j'ai plutôt des bonnes réserves pour une fois. On devrait faire un... est-ce que j'ai fait mes revendications ici? J'ai rien revendiqué moi, mais hop. Bon, avec de ça c'est vraiment les revendications de la dernière seconde. Très peu de chances qu'elles réussissent. Warsong Ghali dans une guerre? Non, par contre ils recrutent. Warsong Ghali avait plus d'armée. Ils ont toujours que 8000 hommes. Ouais, donc on peut considérer qu'ils n'ont plus d'armée. Les lettrés, normalement il me semble que c'est celui de l'Ottoman. Donc ça me fait pas plaisir que la Castille commence à revendiquer chez moi. Les mecs, les Castillons, on se calme, hein, on reste zen. Ah, finalement, Makouri a grandi, donc ça veut dire que la Nubie a perdu du terrain. Ok, bon bah ils en sont déjà arrivés, pas de soucis. Je crois qu'on n'aura pas la possibilité d'attendre. Le Yémen qui a pas été battu une seule fois encore. Ils sont déjà à moins 15. Allez là l'armée du Yémen. Allez les mecs, shootez-moi cette armée là. Shootez. Allez, 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 voilà. Et une armée du Yémen de perdu. Castille qui fait la guerre à Bono. Ok. Allez, vous m'en mettez deux comme ça, ça me va. Du coup, le Yémen... ça, c'est très bien. Le Yémen a plus que 17000 hommes. Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans cette guerre? Est-ce que je prendrais ça, 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 ça... 31 de développement à Dan. Non. Autant éviter la présence du Yémen. On va attendre qu'il y ait un deuxième round, parce que je pense que le Yémen peut prendre une deuxième claque. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je surveille le score de guerre, parce que l'Ottoman, ils vont signer la paix sinon. Il n'a pas pris si cher que ça le Yémen en fait. L'armée du Yémen, elle est là-bas. Allez mec! Je l'ai vu. Allez, vas-y. Allez, les 29000. Allez, les 29000. Allez. Non, pourquoi vous faites demi-tour? Ouais, faites pas demi-tour. Le théologien est mort, masse. Alors maintenant, j'avoue que des... allez, c'est le moment de... on va lancer les gros sous. On va se lancer. On va faire un vrai investissement.
moins 23. Moins 23, ça va normalement. Ça, ça va pas par contre. L'armée du Yémen, elle est là. Allez, faut qu'elle meure celle-là. Bon, le mec, sincèrement, il a fait une bonne esquive. Là, il a évité les gros. Il a évité toutes les armées ottomanes. Je perds un ducat. Tu vas où là? Oui, je comprends même pas vers où tu bouges ton armée. Je vous dis, l'ottoman Vijayanagar n'est plus fiable. Ça, ça m'intrigue. C'est Varsangali qui est plus fiable ou c'est quoi là? Attendez. Tac, mon pays. J'ai perdu Vijayanagar, donc merci. Quand je clique ici, c'est Vijayanagar et que je peux lever l'embargo. Et quand je clique ici, vous me mettiez sur Warsangali. C'est pas très malin ça, les mecs. Et du coup, je vais me rajouter Mewar et je vais mettre un embargo sur Mewar. Ouais, l'égalisme. Où est... Ils en sont à moins 39. Moins 39, ça commence à devenir critique, là. Attends, je devais attendre 6 jours. Le Yémen a... Là, ça y est, cette armée-là, je sens qu'elle va chez le Yémen. Ça, j'aime. J'ai bientôt ma technologie... Ah non, c'est celle-là. Ok, de toute façon il faut que je la prenne. Faut me tenir à niveau, faut que je me maintienne à niveau. Mobilité sociale. Non, ça c'est un truc de... Ça c'est... Je vais pas être impoli, mais c'est vraiment nul. Donc est-ce que je baisse les émirs ou est-ce que je baisse que les marchands? Allez, on va baisser que les marchands. C'est dommage parce que c'est un peu les marchands qui ont les meilleurs bonus. Là par contre je peux... Quelle année? 31, c'est trop large. Là il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Dans 5 ans, le ministre qui s'en va. Les nobles ils ont 0 ici. Donc si je fais un petit... Conquistador... J'ai un conquistador, ça me met pile. Je vais faire ça, je vais prendre 150 points. Et bim, ma science niveau 9. Est-ce qu'il a enfin chopé... Voilà, l'armée elle est là. Pourquoi tu veux absolument pas choper cette armée-là, mince? Voilà. Oui, oui, oui. J'aurais préféré que tu fasses une vraie bataille, quoi, parce que là, t'as fait un peu une bataille de merde. Pour une bataille de merde, c'est une bataille de merde. T'as fait deux combats, t'as perdu les deux combats contre le Yémen. T'as 15 000 hommes ici, tu penses que tu vas pouvoir t'en servir un jour ou pas? Alors, franchement, c'est décevant. Par contre, le Yémen, là, il s'est affaibli. Ah non, il a toujours 21 000 hommes. Ah, mais l'armée du Yémen, elle est là. Ça te dit d'aller la choper? Moi, je te regarde. Je suis sûr que tu vas t'éclater. Du coup, l'armée du Yémen qui fuit chez Nsongali. Par Songali.
Et ben voilà, le Yémen ne vient plus. Hop. Objectif de guerre, on va prendre la conquête de... Attendez, hop. Je fais ma revendication ici. Le but, on va prendre pour toi Berbera. J'avoue que c'était un peu tôt, j'aurais dû quand même préparer mon armée. Warsangali, ils ont quand même venu avec quelques... Ils vont quand même avoir quelques hommes. Bon, j'avoue que ce que je fais, c'est vraiment sale. Mais c'est tellement bon. Ah, t'as des soldats toi en plus. Et tu les caches. Cette armée-là... Ah, c'est même pas dit que je l'ai atomisé, hein. Ils se battent plutôt convenablement. On va attendre l'arrivée de... Bon, Hadramout, on les a eus sans problème. Le Yémen, il est pas venu, on est d'accord. Sofala qui arrive. T'as du siège, c'est déjà ça. Séparation tout de suite. Edjas qui a fait la paix avec l'Ottoman. D'un point de vue flotte, normalement la mienne elle est à l'abri. Ils vont passer plus de temps à se défendre à mon avis qu'autre chose. Conversion, on va en faire une nouvelle. Bah, eux, du coup ils vont être calmés et eux ils vont repartir. Va rester un peu en retrait. Ils ont des forts. Tiens, il y a Kafa qui attaque aussi. Oh là là, les mecs, ça me plaît pas là. Je perds des points militaires. Non, je préfère perdre de la légitimité. Ah, le conquistador. J'ai pas recruté un conquistador, moi? Si, j'ai recruté un conquistador. Ils ont encore quand même beaucoup de troupes. Et là, du coup, Kafa, il m'énerve. Moi, si je peux vous donner un conseil, défendez-vous contre Kafa. Hein. Ah non, je vais pas aller me positionner sur la montagne, je suis pas fou. Ils ont l'air d'envoyer des troupes chez moi. On a Béra, on va se regrouper ici à nouveau. Du coup, on va aller sur Harar. C'est une amélioration? Non. C'est pas une province qui m'intéresse très facilement à évoluer. Ils vont sur Harar, je vais les laisser aller sur Harar. On va se positionner ici. C'est vraiment pas la position adéquate. Mais comme prévu. Le seul mec qu'ils ont envie de tuer, c'est moi. Alors là, je déteste ce qu'ils viennent de faire, Kafa. Donc je suis désolé de vous le dire, mais par mon ordre divin, coupez-vous en deux plutôt. Là, c'est une montagne, donc je peux laisser eux, sans problème. La Nubie et Kafa qui est là. C'est quelle province? C'est une province certainement pourrie. C'est Fireman. Fireman, c'est où? Hein? Alors, c'est ça là-bas. Ok, c'est une province. Y a, franchement, il n'y a rien. Au niveau, ça va, ils sont bons. Allez, essayez de faire un peu de production locale, ça vous occupera. J'avoue que ce combat, j'étais pas confiant au départ.
pense que j'ai de quoi pas être confiant. Voilà, ça c'est très bien. Parce que à mon avis, on passera pas. On n'est pas passé. Hop. Revenez à la... Ouh, je vous ai renvoyé où là ? Ouh, vous partez trop loin. Faut absolument qu'on prenne le plus de terrain possible parce que là, on va se faire avoir sinon. Ils rentrent chez eux. Moi aussi, mon armée rentre chez elle. Il va surtout falloir qu'on s'ouvre. Moi, que je m'ouvre le chemin vers Kaffa et que eux, j'ouvre le chemin vers le Yémen. Parce que le Yémen, derrière. Ah, les Mamelouks ont perdu. Pff, ils font la guerre à une vitesse, les Ottomans, c'est monstrueux. Voilà, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. En quelques secondes, j'ai vu une armée disparaître. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a disparu. La seule chose qui nous manque, ce serait de traverser. Je pense qu'on peut le faire. Je surveille. 32, ok, on est bon. Est-ce que je ramène ma flotte de guerre? Non, ils ont quand même beaucoup trop de navires. Et moi, j'ai que 5 navires lourds. Hein. C'est pas comme si j'en avais une flotte, enfin une armada de 50 navires lourds. Hein. Ça, ça reste un prix intéressant. Miline, ça reste intéressant. Il y a un 6. Je vais vous couper en deux, au moins comme ça on va pouvoir gagner des sous. Faudrait que je trouve une technique. Donc il nous faudrait l'accès militaire sur le même look, puis l'accès militaire sur Edjaz. Oh, c'est bien compliqué là. Ils font 26%. On va essayer de tenir. Je pense qu'on peut tenir jusqu'à ce que Kaffa fasse la paix en premier. Parce que je veux Zela et je veux ça. C'est des territoires clés pour moi. Parce que j'ai bien 3 colonies. J'ai bien 3 colonies, donc on est bien. Ça me fait plaisir, dommage que j'ai rien acheté. Est-ce que je tente de faire le malin? Enfin, financièrement, c'est short quand même. Bon, je peux. Ils ont une trentaine de navires. Je peux peut-être leur faire peur avec mes navires lourds. Allez, on y croit. Je vais tenter d'arriver ici avec ma flotte. Si je réussis à les convaincre qu'en fait j'ai une flotte, je suis sûr qu'ils pourraient croire que j'ai une vraie flotte. Allez les mecs, préparez-vous, on a une mission. On va l'appeler ça la campagne céleste. Et surtout Kaffa, il s'est battu. Ah, il bat aussi contre Andramout. Il reste une armée, 10 000 hommes. On est à 75. Alors je vais préparer toi pour faire un réseau ici. Tac 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 tac. Est-ce que je pourrais vraiment atteindre l'Ethiopie? Non, l'Ethiopie c'est pas sûr que je l'atteigne. Et même Kaffa, c'est vraiment pas sûr que j'arrive à atteindre Kaffa. Allez, dernier mois. La flotte. Un rassemblement. En plus, l'air de rien, on a un leader. Ah, je pourrais prendre un passage d'exploration.
En avant. On perd un et quelques, ça va. Allez, allez, on y vient. Hop là. On a l'ouverture, go. Par contre, non. Moi je me casse, hein. J'ai pas envie de vous... Aïe 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 aïe. Eh mais c'est qu'ils vont plus vite que moi ou quoi là, j'hallucine. Ah ok, il a 4 de manœuvre. Évidemment qu'il va plus vite que moi avec 4 de manœuvre. Allez, on y croit. C'est bien mec, franchement, t'as chassé l'armée pour nous. Du coup, on n'a plus qu'à patienter. Une petite paix séparée ici, mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup une paix séparée? Parce que vous n'avez pas l'air d'avoir une flotte de façon suffisante pour pouvoir gérer ça. Ah, j'ai pris une dette, ça me plaît pas ça. Au moins je suis sur le bon port, c'est déjà ça. Le triomphe, non évidemment. Allez, un... Pourquoi ils ont chuté à ce point là eux? Ah oui c'est vrai qu'il faudrait que je leur rende Zanzibar. Bon déjà les mecs je vais vous rendre Zanzibar. Et après Zanzibar je vais même vous me donner Mombasa. Les marchands devraient être un peu plus heureux. Par contre les oulémas, au moins ils sont à 0 ici. 31 c'est 2 ans. Amusez-vous bien. Et il n'y a pas moyen de vous piquer du pognon. Non. Les oulémas ils s'énervent en 30. Non, 32 c'est les autres. 33 ça nous laisse du temps. Les émirs, ils ont chuté comme c'était prévu, c'est ça? Ok, on n'y touche plus pour le moment. Donc là, la seule chose qu'on espère, c'est que Kaffa va gentiment finir par faire sa petite paix. Comme ça, en me faisant leur paix, ils me laissent tranquille. Pardon du prestige. C'est un fort niveau combien ça? Parce qu'il résiste bien. Et c'est qu'un fort niveau 1. Sans hésiter. Je vais même faire un truc que j'aime pas. Allez, sans tête. Et bim, comme ça je passe à 2 stabilités. Voilà, la flotte. Protéger le commerce de Zanzibar. Non, là, on a été obligé de faire l'affrontement. C'est dommage. Oh putain, juste au moment... fait peut-être me choper un maître de la monnaie du coup. Est-ce qu'il y a un truc négatif? Non. Si je peux faire plus 30, ça fait 81. Je préfère donner la priorité à ce truc là. Et je vais acheter un niveau 2. Ouais, un niveau 2. Non, le niveau 2 il coûte trop cher. Faut attendre. Ah, j'ai perdu un navire, il me semble. Non. J'ai pas perdu de navire, c'est-à-dire que c'était, ça s'est plutôt bien passé. Donc vous me reprenez le chef. Vous allez protéger Zanzibar. Le reste, vous rentrez à la maison. On a fait ce qu'on devait faire.
Vous allez voir, Kaffa, ils vont abandonner, ils vont signer la paix. Ils ont combien? Ils ont 30% de score de guerre. On va vers le légalisme. Toi, t'as pas monté? T'es qu'à 50. Matsolo, c'est parfait parce que du coup, tu peux faire cap là-bas. Tu peux prendre le général pour le trajet, y a pas de problème. Rappelez. Voilà. Il y a une guerre. Ok, de toute façon, ils font des guerres en Amérique. Ah, ça me plaît pas par contre. Vous y êtes le 31. Non, ils seront morts avant donc. Et ouais, ils sont morts avant comme je l'ai dit. Toujours des fourbes, franchement. Vous allez où vous? À Katis le 15 et 19. Je vais vous laisser faire. Ça va quand même coûter 2000 hommes. L'ordinateur, il a un problème avec les rébellions. Une rébellion! On va tous les tuer! Ok, alors. Kaffa, je t'invite à signer la paix. Il faut de nouveau que j'aille prendre des sous. Je vais me diviser en deux armées. C'est très bien, on passe à Matsolo. Les Olemas, je surveille toujours que c'est 33. Et que là, j'ai vu quelque chose à 31, ça va. Ah, une science. Ouais, je suis 10 en militaire, la classe. C'était déjà ça. Des couleuvrines et des cavaliers Moses. Ah, moi, c'est un truc que je voulais faire aussi. J'ai vu que je pouvais reprendre l'exploration. Ah. Vous reprenez l'explorateur. Que c'est vous qui avez un petit peu quand même la priorité sur l'exploration. Et vous, je vais vous remettre à dormir. Ah, ma lassitude de guerre, elle monte là. Bon, quoi qu'il arrive, à 4, je signe la paix. Parce que non plus, je vais pas faire les psychopathes. Si Kaffa veut pas signer, Kaffa veut pas signer. Parce que ça, c'est pour moi, et ça, c'est pour eux. Les émirs qui chutent. Par contre, les marchands qui montent, ça fait un petit chassé-croisé sympa. Ouais, c'est dommage parce que eux, je pouvais exiger les troupes. Alors, chose que je pourrais faire, remarque, c'est signer la paix avec eux parce qu'on va rien leur demander. Si ce n'est des réparations de guerre, des transférés, du détourner le commerce. Si j'enlève le détournement du commerce qui, à mon avis, ne doit pas rapporter des tonnes. Je t'enlève ton aile. Je ne négocie que pour eux. Ça va peut-être aider Kaffa à se calmer. Les émirs qui rechutent à nouveau. Alors là, il y a eu un vrai chassé-croisé. c'est du 39, c'est dans beaucoup trop longtemps. 41, vous voyez, pas touché pour le moment. Là, on n'est pas au top. Là, la contribution, on n'est pas au top non plus. On va rien demander. On a un 5 ici. Toi, vous êtes toujours pas classé, on a un 5. Et les bâtiments, on n'a rien d'intéressant. Allez, on y croit les mecs, vous allez voir. Non, là ça devient inintéressant. Et ici, ouais, ça devient vraiment, c'est vraiment inintéressant tout court.
Une demi-heure de vidéo, et Cafa est dans une autre guerre. Non. Par contre, ils ont gagné 40% avec ça. J'ai dit que je me laissais jusqu'à 4, on est à 3. Par contre, mon armée, elle fait le tour du monde. 28. Non, ça va, j'ai encore un peu de marge. % de plus, ça fait plaisir. Grand capitaine. J'ai des sous. Ouais, pas suffisant pour acheter un vrai conseiller. C'est qui ça? C'est Hormuz, non, c'est Hejaz. Voilà, un petit truc de plus. Donc là, en fait, c'est de prendre un pari osé. Ah, en fait, c'est la productivité qui s'augmente. Non, rien à cirer, c'est clair. Faites-le exécuter. Enlevez-moi du prestige. Allez, Cafa, soyez gentil. Signez-moi votre paix et vous me laissez Zilla. La malaria frappe. Je vais prendre celui-là. Allez, signé. Au moins on a stabilisé, on a la science. Mara qui... Bah du coup c'est Mara a déclaré la guerre ici? J'avoue que grâce à eux, j'ai pas fait beaucoup de batailles. Il y a eu une paix Andramo de Cafa. C'est quoi leur paix à eux? Si vous me dites que vous avez signé une meilleure paix que moi, je vous suiciderai. Vu ce qu'il me donne en même temps. Alors, j'ai l'accès à cette colonie-là, mais est-ce que j'ai la portée? J'ai la portée pour commencer l'Australie. Venez ici tout de suite. Ouais, les mecs, de toute façon, pour que vous me donniez, je vous rassure que je vais me remettre. Ah, l'explorateur est mort et vous êtes où actuellement? Foncez, on vous attend. Bon, en fait, il n'y a que Zoxa où il y a encore du monde. On va juste commencer par te diviser en deux. Il faut que vous vous répariez, de toute façon. C'est que je suis à... Ah, je suis à 5 même! Ah mais Cafa, t'es sérieux là? Allez quoi, s'il te plaît! Voilà, t'as fini de taper, merci. Toi, tu prends... Prends-lui, tu viens positionner là. Des groupes de 2000 pour agir vite. Même s'il y a deux... Non, parce que je suis obligé de prendre Zela. Majestine, Majestine. Globalement, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux l'accès à Cafa. Zela. Tac. Dans la coalition, il y a qui? Il y a que Warsangali. Azap. Dans le reste. Ça va dépendre des re... Ça va dépendre, je dirais, des ressources. Café, café, café. Et ben, sans hésiter, on prend le café. Vous me donnez ce qui vous me restera par contre. Il faut vraiment qu'ils enlèvent ce truc, qu'ils mettent un blocage automatiquement à 100%, on gagnerait du temps. Voilà, c'est signé. Du coup, on va donner plein de territoires à ma Justine. On va commencer par t'accorder Zela.
Attends, Zela, c'est combien? T'as pas fini de tout corer, toi? Ah, peut-être possible que tu prennes pas tout en fait. Et mon armée va peut-être rester d'urgence dans le nord. Donc, Tad. Assab. Mora. J'avoue que ça te met quand même à 40% de trucs. Je vais rester positionné proche de toi. J'ai même pas assez de points pour faire ça. Là 39, non, c'est trop tôt, donc faut que j'attende. Et toi, on n'est pas à la portée actuelle. Ok, bon bah merci d'avoir suivi. Faut que je pense à mes trois nerfs. Les nerfs de guerre, vous allez retourner à Killua pendant que je pense. Et vous, on est en attente de ça. Ok, donc merci de m'avoir suivi et à plus tard. Ciao, ciao.